qui viennent pour la première fois dans ce lieu, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir. Que la grâce de Dieu abonde davantage dans vos vies. Bienvenue à tous ceux qui viennent de manière fidèle. Vous êtes vraiment les bienvenus. Que la grâce de Dieu abonde et coule encore dans vos vies. Amen. Bienvenue à ceux qui ne viennent que le dimanche également. Vous êtes les bienvenus et que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous êtes tous précieux devant Dieu. Amen. Et je crois vraiment que Dieu vous aime. Amen. Alors, ce matin, Église, j'aimerais vous donner un message qui s'intitule Le songe, oui, mais jusqu'à quelle mesure Jusqu'à quelle mesure considérer un songe Waouh! En réalité, j'aimerais que nous puissions éclaircir ce sujet ce matin, qui est souvent mal compris par le peuple de Dieu. Et ce sujet, donc, c'est le songe ou couramment dit les rêves. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, basent toujours ou souvent leur vie sur leurs songes. Et souvent, ils se perdent loin de la volonté de Dieu pour leur vie. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont des songes, lorsqu'ils ont des rêves, ils sont même troublés. Oui ou non? Je crois vraiment que c'est le cas de beaucoup au milieu de nous. Il y a des personnes qui basent leur vie sur leurs rêves, ils basent leur vie sur leurs songes, et souvent, ils sont troublés. Et voilà pourquoi ce matin, je voulais vraiment éclaircir ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'un songe Un songe vient du latin somnium, signifiant rêve, idée, imagination, survenant lorsqu'une personne s'endort. Un rêve survient lorsque tu es endormi, oui ou non Tu t'assoupis et tout à coup, tu commences à avoir un songe, un rêve. Tu t'endors et tout à coup, tu commences à avoir un songe, un rêve. Et ce matin, je veux être clair avec vous. Certains savent déjà, mais beaucoup se trompent en pensant que tous les songes viennent de Dieu. Et la première chose à asseoir dans notre conscience, dans notre pensée, dans notre compréhension, et que ce ne sont pas tous les rêves qui viennent de Dieu. Il y a des, des rêves, il y a des songes qui ont différentes origines. Il peut y avoir un rêve qui vient de toi-même, un rêve qui vient de Dieu, ou un rêve qui vient de l'ennemi. Trois origines d'où peuvent provenir les rêves. Ils peuvent provenir de toi-même, ils peuvent provenir de l'ennemi et ils peuvent provenir de Dieu. Amen. Et ce matin, le désir de mon cœur, Église, est que les enfants de Dieu sortent de la confusion concernant ce thème. Je crois vraiment que beaucoup sont confus. Ils ont des rêves, mais vraiment, ils sont basés là-dessus. Alors que notre vie ne doit pas être basée sur des rêves, notre vie doit être basée sur le discernement de la parole de Dieu. Notre vie doit être basée là-dessus. Amen. Gloire à Dieu. Mais ce que je remarque vraiment fréquemment, et ce que je dois te dire, ce qui est sûr, et ce que tu dois comprendre, c'est que la plupart du temps, tes rêves, tes songes, proviennent de l'activité de la vie de ton âme. Je répète, la plupart du temps, les rêves que tu fais, les songes que tu fais, proviennent de ton activité personnelle, de l'activité de ton âme. Amen De l'activité de la vie de ton âme. Ecclésiaste 5, le verset 2, nous le dit clairement. La parole de Dieu nous dit, oh, je prie vraiment que vous puissiez l'entendre, ce message, afin que vous ne soyez plus confus et toujours en train de chercher des révélations de Dieu dans des rêves qui parfois ne viennent pas de lui. Ecclésiaste 5, le verset 2, la Bible dit... Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude des paroles. Autrement dit, Ecclesiastes 5, le verset 2, fait la comparaison entre les occupations, la multitude des occupations que tu peux avoir et la multitude des paroles que tu peux donner, que tu peux dire. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les songes naissent de la multitude des occupations. Dans la version bible du semeur, la parole de Dieu dit en effet, de même que les rêves naissent de la multitude de ses occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu dit La Bible dit de même que les rêves naissent de la multitude des occupations. Autrement dit, il y a des rêves qui peuvent être de Dieu, des rêves qui peuvent être du diable, mais il y a des rêves qui naissent de la multitude des occupations de l'homme. Oui ou non Dans tes occupations, dans tes préoccupations, dans ce que tu es en train de vivre, dans les circonstances que tu es en train de vivre, dans lesquelles tu es en train de passer, tu peux le soir sur ta couche recevoir des rêves qui reflètent la réalité de ce que tu es en train de vivre. Et malheureusement, je connais beaucoup de personnes qui ont eu des relations brisées, des amitiés arrêtées, des situations de leur vie totalement changées à cause de soi-disant des songes qu'ils pensaient venir de Dieu. Ils pensaient que ces rêves venaient de Dieu. Et alors, lorsqu'ils ont commencé à avoir des rêves sur une personne avec qui ils avaient des conflits ou sur une situation dans laquelle ce n'était pas très glorieux, ils pensaient que cela venait de Dieu. Et à cause de cela, ils ont engendré eux-mêmes une séparation alors que ce n'était pas le désir de Dieu. Il y a des gens qui sont comme cela. Je vais vous donner des exemples. Je connais des personnes, beaucoup de personnes, qui avaient des problèmes avec d'autres personnes d'une église, d'une assemblée quelconque. Et alors qu'ils s'endormaient, ils ont commencé à avoir des rêves sur soi-disant une personne avec qui ils avaient des conflits. Et comme il y avait une apparence de foi avec quelques versets bibliques, quelques paroles sages, ils pensaient que cela était des révélations de la part de Dieu. Alors que ce n'était que le fruit des circonstances et des situations qu'ils vivaient lorsqu'ils étaient en éveillés. Le fruit des circonstances, des situations et des préoccupations qu'ils étaient en train de vivre a engendré des préoccupations dans leur esprit qui a engendré qu'ils ont commencé à avoir une activité de l'âme et créer des rêves. Et beaucoup de personnes se trompent lorsqu'ils ont parfois des rêves sur des situations qu'ils pensent mal et ils veulent recevoir des révélations de la part de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, il faut que vous arrêtiez de chercher des divisions, de vous séparer des personnes, de vous séparer des connexions, de, des connexions que Dieu a lui-même établies, de vous séparer des amitiés ou de prendre des décisions basées sur des rêves. Arrêtez. Vous ne devez jamais le faire. Vous devez plutôt rejeter ce type de rêve. Vous devriez plutôt les rejeter. Pourquoi Parce que si elles viennent de l'activité de votre âme, cela veut dire que votre âme est troublée et donc que vous n'êtes pas dans le discernement de Dieu par rapport à ce que vous devez faire. Vous devez vraiment rejeter tout ce genre de rêves. Et je sais que je parle pour beaucoup parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des rêves et qui pensent que cela vient de Dieu alors que cela vient de l'activité de leurs propres préoccupations. Et malheureusement, il y a des disputes engendrées, il y a des méfiances engendrées, il y a des mauvaises choses qui s'engendrent parce que tu penses avoir reçu une révélation de Dieu d'une personne. Et j'aimerais te dire, quel est l'intérêt pour Dieu de te montrer dans un rêve une révélation d'une personne si ce n'est pas pour que tu puisses aller produire dans sa vie quelque chose qui va l'aider à changer si cela crée du trouble, si cela crée de la discorde, si cela crée de la division, si cela crée réellement une méfiance, cela veut dire que ça vient réellement de tes préoccupations, de ton âme, parce que ton cœur est tortueux. Et il est important de bien se dire, je ne peux pas prendre des décisions basées sur tes rêves. La parole de Dieu nous dit que la multitude de songes n'est que vanité. Ecclesiastes 5, le verset 6, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit car... S'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi craint Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit Il y a de la vanité dans la multitude des songes. Qu'est-ce que la vanité Vanité veut dire ne sert à rien. Vanité. La Bible dit il y a de la vanité dans la multitude de songes. Je suis désolé de dire église mais aujourd'hui la multitude de songes ne reflète pas ce que Dieu veut te dire. La multitude de songes, la parole de Dieu dit qu'elles n'est, elles ne sont que vanité. Amen. Je crois qu'il est important de rejeter des rêves qui viendraient mettre des troubles dans nos relations. Vous savez même moi j'en ai déjà eu. Et je vous assure que jamais je n'ai pris une décision sur un rêve. Jamais. Quand la personne, quand ça n'allait pas, je réglais la situation, je réglais la circonstance, je progressais et je recherchais à faire ce que Dieu nous dit de faire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de faire? La Bible nous dit rechercher la paix avec tous. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit rechercher la paix avec tous. Mais maintenant, Église, j'ai une bonne nouvelle pour toi et j'aimerais te donner la clé qui te permet réellement de sortir de la multitude de tes préoccupations, qui te permet de ne plus avoir autant de rêves qui viennent de tes préoccupations. Et cette clé est réellement de pouvoir te décharger sur Jésus-Christ. Avant de dormir, qu'est-ce que tu dois faire Tu dois remettre à Dieu toutes les préoccupations de ton cœur. Tu dois remettre à Dieu toutes les activités issues de ton âme afin d'avoir un sommeil doux et léger. Savez-vous que le sommeil et ce qui nous permet d'être régénéré afin de continuer une nouvelle journée même scientifiquement c'est prouvé le sommeil est ce qui te permet d'être régénéré dans ton corps dans ton être dans ton âme dans ton esprit afin de pouvoir démarrer une nouvelle journée c'est pourquoi si tu as mal dormi tu ne peux pas passer une bonne journée vrai ou faux souvent, lorsque tu as mal dormi, tu dis, oh, c'est pas possible, je vais aller dans une nouvelle journée, mais c'est dur. Oui ou non? Et voilà pourquoi Dieu se soucie de ton sommeil. Dieu se soucie de tes rêves. Alors, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, le verset 7. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Qu'est-ce que la version Martin dit? La version français Martin dit, lui remettant tout ce qui peut vous inquiéter, car il a soin de vous. Autrement dit, si tu veux avoir une nuit douce et tranquille, si tu ne veux pas avoir des rêves, des préoccupations de ton âme, des préoccupations de ton cœur, remets tout à Dieu, tout ce qui peut t'inquiéter, car il a soin de toi. C'est l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne sont pas renouvelés dans la nuit. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils dorment très mal. À un moment donné, je crois qu'au début d'année, j'ai commencé à avoir des nuits agitées. Et je n'ai jamais eu des nuits agitées, vraiment. En général, lorsque je pose la tête sur l'oreiller, c'est fini. J'ai tellement de choses à faire que même s'il faut dormir deux heures, je dors très bien deux heures. Et vous savez, ces derniers temps, j'avais quelques agitations. Et à un moment donné, je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux plus de ces agitations. Je ne veux plus. J'ai besoin de bien dormir afin de pouvoir faire des journées efficaces pour toi. À ce moment-là, je vous assure, le lendemain, ma nuit était excellente. C'était deux heures, puis c'était deux heures parfaites. C'était deux heures d'excellence, deux heures où j'ai pu me reposer réellement dans les bras du Père. Et je veux vous le dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Faites-le. Déchargez-vous sur lui avant de vous coucher. Si vous avez une altercation avec quelqu'un, si vous avez une incompréhension, si vous avez quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui vous dérange. Prenez pas votre téléphone à 22 heures pour parler à cette personne. Commencez à tout remettre à Dieu! Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos problèmes. Déchargez-vous sur lui. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Autrement dit, tu te mets dans le lieu secret et tu commences à dire, Seigneur, je ne comprends pas telle chose, je ne comprends pas telle chose, j'ai tel souci, je ne sais pas comment le faire, je ne sais pas comment les gérer, mais je ne veux surtout pas garder cela, je veux bien dormir. Amen. Cela vous évitera de recevoir des révélations qui ne viennent pas de Dieu. Cela vous évitera de recevoir des rêves, des songes qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des préoccupations de votre âme. Je vous assure, lorsque vous allez commencer à le faire, vous allez moins rêver. Mais lorsque vous allez rêver, parce que lorsque les portes sont fermées, que le diable n'a plus de place, que les préoccupations n'ont plus de place, lorsque vous allez rêver, à ce moment-là, vous rêverez sûrement de ce que Dieu veut vous donner. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux vraiment que vous puissiez comprendre, parce que l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu, ils gardent leur cœur rempli de soucis alors qu'ils doivent les remettre à Dieu. Les soucis, tu dois les remettre à Dieu. Tu dois les décharger sur lui. Tu dois tout lui remettre. Église, Amen. Amen. Afin que tu sois réellement renouvelé et que tu puisses continuer à avancer et combattre face aux ruses des ténèbres. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu veut aussi libérer son peuple des rêves qui proviennent de l'ennemi. Parce que s'il y a des rêves qui proviennent de l'ensemble de tes préoccupations, on en a, oui ou non, il y a aussi des rêves qui proviennent de l'ennemi. Moi maintenant, c'est filtré. Je n'ai plus de rêves qui proviennent de mes préoccupations. Vraiment. C'est filtré. J'ai mis le filtre. Avant de me coucher, j'ai dit Seigneur, il y a tel problème. Tu règles. Et pour l'ennemi, je vais vous donner son filtre aussi. Parce que le filtre de l'ennemi existe. Amen. Nous ne devons plus accepter tous les rêves qui viennent du diable. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des rêves qui proviennent des influences des ténèbres. Et j'aimerais vous dire que ces rêves se manifestent souvent par la peur, l'oppression et le trouble. Vous savez, c'est ce que vous appelez communément les cauchemars. C'est ce que vous appelez les cauchemars ou c'est ce que vous appelez vraiment des mauvais rêves. Et il y a vraiment des rêves qui proviennent des influences des ténèbres. Il y a la parole de Dieu qui nous parle d'un rêve qu'avait fait Eliphaz, ami de Job. Job 4 à partir du verset 13. Vous savez, ça n'a pas l'air, mais nous sommes en train de parler du renouvellement de l'homme intérieur. Parce que le sommeil contribue à ton bien-être. Amen. Ça n'a pas l'air, mais nous parlons réellement du renouvellement de l'homme intérieur. Amen. Job 4, le verset 13, voici ce que dit la parole. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, voici ce qu'il dit. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Et le verset 16 dit une figure pardon 15 dit un esprit passa près de moi tous mes cheveux se hérissèrent. Autrement dit, il peut y avoir des influences des ténèbres qui viennent dans les nuits c'est pourquoi il y a des personnes qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit. Oui, ça existe. Je suis désolée de dire. Maintenant, il faut le dire. Il faut arrêter de cacher qu'il y a des personnes qui ont des femmes et des maris de nuit. Il y a des personnes qui le vivent encore. Ils ont des visitations dans la nuit où des influences des ténèbres viennent pour essayer de leur faire du mal et infiltrer des choses dans leur vie et les arrêter, et les empêcher de prendre leur victoire. Vous savez pourquoi Parce que lorsque tout le monde dort, la puissance des ténèbres appelle les ténèbres à venir sur la terre réellement et à agir encore davantage. Mais je crois vraiment qu'aucun enfant de Dieu ne doit conserver ses songes. Amen Et je crois vraiment, Église, que oui, tu dois chasser au nom de Jésus-Christ tous ces rêves impurs. Mais j'aimerais te dire, pour pouvoir les vaincre avant de dormir, il faut impérativement que tu sois en communion, en communication avec l'Esprit de Dieu. Pour les vaincre définitivement, il faut que tu puisses être en communion, en communication avec l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs... Dans 2 Corinthiens 13, le verset 13, je vous lis la version Second 1910. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication pas la communion. Il dit la communication. Dans la version Second 21, il dit communion, dans la version 1910, il dit la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Autrement dit, votre gardien doit être l'Esprit de Dieu. Votre guetteur doit être l'Esprit de Dieu. Votre veilleur doit être l'Esprit de Dieu. Pourquoi Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et vous devez dire, je refuse d'avoir ce genre de rêve. Interdit-les, Esprit de Dieu à venir dans ma conscience, dans mon esprit. interdit-les à entrer. Vous devez le dire. Vous devez avoir une communication avec l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que la personne du Saint-Esprit est très importante dans votre vie de foi, car la parole de Dieu dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais l'Esprit de Dieu n'interviendra pas sans que tu lui parles. L'Esprit de Dieu n'interviendra pas sans que tu lui dises précisément ce que tu attends de lui. Il ne le fera pas. L'Esprit de Dieu veut que tu lui parles et que tu lui dises Je ne veux plus recevoir ce genre de rêve. Je veux réellement, au nom de Jésus-Christ, fermer les portes. Mais pour pouvoir ne plus avoir des maris de nuit, des femmes de nuit, excusez-moi, Église, cessez de vivre dans le péché. Parce que s'il y a des grandes portes ouvertes, et si on vit dans l'impudicité et dans la fornication, je suis désolé de dire, mais forcément, les maris de nuit et les femmes de nuit vont venir. Mais si notre vie est sainte, il n'y a plus de raison pour lesquelles ces maris ou ces femmes de nuit puissent venir. Alors ce que tu dois faire, tu dois chasser au nom de Jésus-Christ tous ces esprits impurs qui veulent influencer ta nuit. Puisque après, n'est-il pas vrai que vous êtes troublé N'est-il pas vrai que quand ça arrive, vous êtes troublé Oui ou non Quand il y a quelconque visitation, même si ce n'est pas mari ou femme de nuit, quand c'est un mauvais rêve, n'est-il pas vrai que vous êtes troublé mais lorsque vous êtes en communication avec l'Esprit de Dieu, il y a une chose absolument merveilleuse qui se passe. Alors que vous êtes en train de dormir, l'Esprit de Dieu prend autorité avec votre esprit au nom de Jésus-Christ contre cet esprit impur qui veut pénétrer dans vos rêves. Oui. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, où à un moment donné, l'ennemi veut essayer de me pourchasser. Et tout d'un coup, je m'arrête et je vois l'Esprit de Dieu me faire arrêter. Et je me dresse. Au nom de Jésus, je lui dis, sors maintenant. Et c'est terminé. Et je dors. Oui ou non? Parce que le Saint-Esprit garde ton esprit en éveil. Et le Saint-Esprit te permet de combattre même durant la nuit. Si le Saint-Esprit est en communication avec toi, si le Saint-Esprit est réveillé avec toi, aucun esprit impur ne peut venir pour t'attaquer dans ton sommeil et vaincre personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hier soir, j'ai vécu quelque chose d'absolument, vraiment à témoigner pour le peuple de Dieu. Parce que je crois que Dieu a permis cela pour que je puisse aujourd'hui vous parler de ça. Ce qui s'est passé, c'est que à deux heures du matin, trois heures moins le quart, je vais dans mon lit après avoir terminé le message et je commence à m'allonger pour aller dormir. Tout à coup, je suis déjà endormie depuis quelque temps, je pense, et je ressens comme si quelque chose vient pour me tuer. Réellement, il bloque mes membres, il bloque mon corps, il me bloque totalement. J'essaye de réveiller mon mari et j'essaye de lui dire, chéri, prie pour moi. Je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à parler et je n'arrive à rien faire. Et à un moment donné, le Saint-Esprit me dit en moi :« Maintenant. » Combat en esprit contre cette puissance. Alors, au lieu de m'affoler pour chercher comment réveiller mon mari, je me suis posée en moi-même et j'ai commencé à dire maintenant tu me lâches. Et je me suis vue faire saut so et me lever du lit avec vraiment autorité. Et cet esprit est parti. Et je crois que. Il m'a été permis de vivre cela afin que je puisse vous dire que le combat est en esprit. Que le combat est en esprit. Que le combat est en esprit. Et que nous devons vaincre en esprit. Le diable ne peut rien faire contre nous. Il veut essayer, mais il ne pourra jamais le faire. Il veut essayer, mais il ne pourra jamais le faire. Amen. Parce que le Seigneur te donne la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs par l'Esprit de Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette permission qu'il a faite. Afin de pouvoir vraiment témoigner au peuple de Dieu. Qu'en esprit, nous avons la victoire. Qu'en esprit, nous avons la victoire. Je peux vous le dire. Et vous avez la possibilité de vaincre. Parce que vous avez le grand et tout-puissant Saint Esprit qui est en vous, et j'aimerais vous dire quelque chose. L'esprit de Dieu, lorsque vous dormez, il ne vous donne pas un esprit de faiblesse. Il ne vous donne pas un esprit de faiblesse. Il vous donne un esprit de force, un esprit d'adoption qui vous permet de crier « Ah, père !». Autrement dit. Lorsque vous êtes endormi et qu'une situation veut vous arriver, vous avez la possibilité de crier ⁇ Ah va père !⁇ Et à ce moment-là, la situation et l'atmosphère changent autour de vous. Vous êtes vainqueur. Cessez de, de croire à l'ennemi qui veut vous dire que vous ne pouvez rien. Non, c'est dans l'esprit que cela se passe. Le combat est dans l'esprit et plus vous allez être fort avec l'esprit de Dieu, plus vous allez recevoir l'esprit de force, de courage et de sagesse et plus vous allez vaincre. C'est en esprit que se font les combats. Amen. Gloire à Dieu. La troisième chose que vous avez besoin de comprendre par rapport aux songes, c'est que, bien entendu, il y a des songes aussi qui viennent de Dieu. Nous ne devons pas nier qu'il y en a. Il y en a réellement. Et la parole de Dieu nous dit dans Job 33, le verset 14 et 15, voici ce que dit la parole. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Pardonnez-moi, Église, avant de venir dans ce sujet, j'ai reçu dans mon cœur de vous faire deux témoignages pour parler des rêves qui peuvent venir de l'ennemi un jour, j'ai eu un rêve et je ne comprenais pas ce rêve. je voyais quelque chose. je voyais un grand géant, mais c'était un géant handicapé. et il me disait, donne-moi une date. et je dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire? pourquoi une date? et tout d'un coup, j'ai donné une date. et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce rêve, vraiment, il m'avait travaillé lorsque je me suis réveillé. j'ai dit, seigneur, pourquoi il m'a demandé une date? Et le Saint-Esprit me faisait comprendre qu'en réalité, il va se passer quelque chose contre toi à ce moment. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à dire, ah, c'est donc ça. Donc je vais prendre autorité et je vais annuler tout ce que l'ennemi a voulu faire à cette date. Parce que lorsque nous ne sommes pas vigilants, parfois, et c'est un manque de vigilance de ma part, je pense, parfois nous pouvons parler à l'ennemi. En lui disant, OK, on va, c'est bon. Et vous savez, j'ai compris cela parce que j'ai parlé à un autre homme de Dieu, quelqu'un qui n'est pas ici, mais quelqu'un qui a un grand ministère et plusieurs milliers de personnes avec lui. Et il me disait, Tu sais, ma sœur, un jour, voilà ce que j'ai vécu. Il me disait, il était dans un pays, et alors qu'il était dans ce pays, un esprit est venu dans un rêve lui dire, tu n'as pas besoin de te consacrer ainsi. Je vais te donner toutes les femmes que tu veux, tout l'argent que tu veux, toute la gloire que tu veux, toute la puissance que tu veux, le nombre d'âmes que tu veux, je te le donnerai. Toutes les âmes que tu veux. Et à un moment donné, il dit, mais cependant, la seule chose que tu dois avoir, c'est tu dois être soumis à moi et tu dois m'obéir. Mais il m'a dit "Je me suis levé d'un bord, je lui ai dit jamais je ferai ces choses. Jamais." Et pendant qu'il avait cette révélation, l'esprit de Dieu lui en donna une autre. Et l'esprit de Dieu lui montra beaucoup d'hommes de Dieu. Il ne m'a pas dit le nom. Il m'a dit "Ce n'est pas permis." Beaucoup d'hommes de Dieu qui ont des millions, des millions et des millions de personnes avec eux, mais si ces personnes sont là, c'est parce que c'est une principauté, une domination avec qui il a fait un pacte. Et alors, lorsqu'il m'a raconté cela, j'ai dit, mais c'est grave. À ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que j'annule le rêve que moi j'avais fait lorsqu'il y avait un grand homme handicapé, un géant handicap. C'était ça la révélation. Un géant handicap pour une date. C'était précis. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je prenne autorité au nom de Jésus-Christ afin de pouvoir vaincre les ruses du diable. Et à ce moment, lorsque j'ai eu cette révélation, j'ai commencé à prier et j'ai dit à mon mari, j'ai compris ce rêve. Maintenant, je vais le renverser au nom de Jésus-Christ. J'annule et je refuse le géant handicap que le diable veut mettre dans ma vie. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Et je peux vous dire que parfois Dieu permet que vous ayez des révélations pour que vous puissiez annuler les œuvres que le diable veut faire dans vos vies. Oui, mais lorsque cela vient de Dieu et lorsque la permission vient de Dieu, il va vous faire discerner ce que vous devez faire avec... Vous n'allez pas être troublé. À aucun moment, j'ai été troublé. À aucun moment, j'ai seulement dit à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, explique-moi ce qu'il a eu dans ce rêve, la conséquence de ce rêve. Qu'est-ce que ce rêve? Explique-moi. Et je me suis attendu à lui. J'ai attendu, je crois, une semaine et demie avant de recevoir la révélation complète de ce que c'était. Mais je l'ai eu. L'objectif n'est-il pas d'avoir la révélation complète? Que tu puisses avoir en un jour, deux jours, trois jours, une semaine, dix jours, ça n'importe peu, pourvu que tu puisses avoir la victoire. Et lorsque ça vient de Dieu et lorsque c'est permis par Dieu, tu as la victoire parce que le Seigneur te donnera toujours la révélation. Et je ne veux pas vous faire peur, c'est simplement des choses qui arrivent. Et donc je dois vous dire, afin que vous puissiez être équipés, et que vous puissiez comprendre que si j'ai des rêves, il y a des rêves qui viennent de Dieu, mais il y a des rêves qui viennent de mes préoccupations et il y a des rêves qui viennent de l'ennemi. Vous comprenez ceci? Amen. Alors, concernant les rêves de Dieu, la Bible dit dans Job 33, le verset 14 et 15, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Ça veut dire que Dieu parle aussi dans les rêves. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit dans Joël 2, le verset 28, Dieu a dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ce qui veut dire, Église, que nous allons avoir aussi des songes. Mais maintenant, je crois qu'il y a des mesures pour considérer si le songe vient réellement de Dieu. La première mesure que tu dois considérer, quelle que soit la révélation qui vient de Dieu, ton cœur sera dans la paix car le Seigneur te conduira à savoir quoi en faire. La première chose est que lorsqu'un rêve vient de Dieu, tu seras toujours dans la paix. Toujours. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire à chercher la révélation et à te dire qu'il y a une révélation à ce rêve. Amen. La deuxième chose à considérer, c'est que lorsque un rêve vient de Dieu, les instructions de Dieu sont claires. Je suis désolée de dire, je suis fatiguée d'entendre des personnes qui viennent me donner des rêves farfouis qui ne veulent rien dire. Et toi, discerne ça. Et on vient te voir pour te dire discerne ça. Alors que les rêves sont farfouis et que parfois ça ne veut strictement rien dire. Et quand tu leur dis, ben désolé, ça veut rien dire. On te dit, on n'a pas pris compte avec le rêve. Et hey, je ne parle pour personne ici. Hein. Je tiens à dire parce que je n'ai pas envie que vous soyez blessés. Je ne parle pour personne ici. Je veux juste vous expliquer. Ça fait longtemps d'ailleurs que ça ne m'est pas arrivé que quelqu'un vienne me dire, c'est quoi ce rêve? Ça fait longtemps. Mais je veux juste vous dire que lorsque la révélation vient de Dieu, c'est Clair. Acte 23, le verset 11, la Bible dit que le Seigneur est apparu à Paul en lui disant clairement Prends courage. Dans un rêve, la Bible dit la nuit suivante Le Seigneur apparu à Paul et dit Prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. C'était clair. Une vision nocturne qu'a eu Paul. C'était clair. Mais il n'y a pas que Paul. Lorsque Dieu parla dans des rêves à Abraham, lorsqu'il était encore Abraham, lorsque le Seigneur lui révéla ce qu'il y avait pour la nation, la Bible nous dit que Dieu a parlé clairement à Abraham. Oui ou non? Et la parole de Dieu nous montre encore un autre exemple, Abimelech. Dans Genèse 20, le verset 3, la Bible nous dit, Abimélek, c'était cet homme, ce roi, où Sarah s'était fait passer pour la sœur d'Abraham. Et lui, il voulait prendre Sarah comme femme. Mais qu'est-ce qui s'est passé La Bible nous dit que Dieu s'est révélé à lui dans un rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé Alors Dieu apparut en songe à Abimélek pendant la nuit et lui dit... Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Les instructions étaient claires. Oui ou non Alors, lorsque Dieu te parle dans un rêve, en général, l'instruction de Dieu est claire. Lorsque Dieu te parle dans un rêve, il va toujours te donner la... Et te montrer qu'il y a une possibilité de discernement de ce que tu as eu. Lorsque tu sais qu'il n'y a aucune possibilité, rejette ce rêve. Combien de fois j'ai déjà eu des rêves Des fois, ça ne sert un peu à rien. Je dis, tu sors de là. Je n'ai pas besoin de toi. Hein? Qu'est-ce que tu viens faire ici Sors de là. Gloire à Dieu, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est filtré. Je dors. Amen. Et lorsque je dors souvent, le Seigneur, il me donne des paroles, des versets bibliques, des petites choses vraiment douces, agréables dans sa présence. Amen. Amen. La troisième chose, pour la mesure du songe que tu dois considérer, si ce n'est pas clair, si le songe n'est pas clair, l'Esprit de Dieu te donnera l'instruction. Quelques jours après. L'exemple de mon rêve, où le Seigneur a permis que je puisse avoir cette révélation afin de déjouer les ruses du diable. Mais je n'ai pas eu la révélation tout de suite. J'ai reçu la révélation une semaine et demie plus tard. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Pierre. Pierre a eu une vision dans Acte 10. Nous savons. Dieu lui monte un grand drap et lui dit tu es mange. Tout à coup, quand il se réveille... Tout de suite, la révélation arrive, mais comment elle arrive Elle cogne à sa porte. Oui, parfois la révélation cogne à ta porte. Quelqu'un d'autre va venir te dire, oh, il y a ça. C'est la révélation qui arrive toujours par l'Esprit de Dieu. Tout à coup, la révélation arrive. Alors que la vision était floue, mais la révélation vient toujours. Lorsque ça vient de Dieu, la révélation viendra toujours. Dites toujours. Amen. Lorsque le songe vient de Dieu, même si au réveil tu l'as oublié, parce qu'il y a des moments, où tu as une vision, un rêve, un songe, tu l'oublies. À un moment donné, même si tu as oublié une partie, le Seigneur te rappellera ce que tu dois te souvenir lorsque ça vient de Dieu c'est toujours comme cela toujours un jour j'ai eu un songe mon, mon, mon esprit je crois est sorti de mon corps et le Seigneur m'a fait visiter le monde je vous assure et tout d'un coup je suis revenu en moi-même mais j'avais oublié et à un moment donné bon je faisais ma vie normale hein, le matin comme d'habitude je fais tout. Et on vient ici. C'était un jour où il y avait un enseignement sur le couple. Et à un moment je m'assois sur la chaise et le Seigneur me dit "Voici ce qui t'est arrivé." Et tout d'un coup, ça m'a surpris, j'ai fait "Mais c'est vrai, il m'est arrivé cela Et à ce moment-là, le Seigneur me parlait en me disant "Voici ce qu'il y a pour toi." Point barre. Le reste, ça ne vous intéresse pas. Tout ça pour vous dire que lorsque cela vient de Dieu, le Seigneur va te rappeler toujours ce qu'il a voulu te donner. Toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La cinquième mesure à considérer lorsque le rêve vient de Dieu, c'est que il reste quand même rare. Les rêves qui viennent de Dieu sont quand même rares. Les songes qui viennent de Dieu sont quand même rares. Et ceux qui en ont beaucoup, ce sont des prophètes. Pardonnez-moi de dire cela. Mais ceux qui en ont beaucoup, c'est parce qu'il y a une onction prophétique sur leur vie. Parce qu'il parce qu y a une onction prophétique sur leur vie, je ne parle pas de Joël 2, le verset 28, où tout le monde va être prophète. C'est pas ça que je dis. Il y a des personnes qui ont un ministère prophétique, réellement. Un ministère prophétique où Dieu veut lui révéler des choses de la parole de Dieu, souvent. Et lorsqu'ils ont ce ministère prophétique, ben, le Seigneur va l'utiliser dans des visions et dans des songes. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va savoir comprendre et discerner au regard de la parole de Dieu ce qui a voulu être donné par Dieu. D'ailleurs, si on regarde la parole, la Bible dit vos vieillards auront des songes. Vous savez, la vieillesse, je crois que c'est synonyme de maturité. Je ne parle pas de vieillesse physique. Je crois que la vieillesse, c'est synonyme de maturité. La vieillesse, c'est synonyme de sagesse. La vieillesse est synonyme de sagesse, d'intelligence et de maturité. Où Dieu donne des révélations à des personnes matures afin qu'ils puissent apporter des choses. Un jour, je vous avais dit, j'ai reçu un songe où Dieu me dit, nous sommes dans la onzième heure. C'était clair, c'était précis, c'était une instruction de Dieu. C'est tout. Mais les rêves, lorsqu'ils viennent de Dieu, souvent, ils sont, ils ne sont pas très nombreux. Ce n'est pas tous les soirs que tu vas avoir un rêve de Dieu. Parfois, pendant plusieurs mois, plusieurs mois, tu n'as rien de Dieu. Parfois, pendant plusieurs années, tu n'as rien de Dieu. Et il y a même des hommes et des femmes de Dieu qui n'ont jamais rêvé de leur vie. C'est pas comme ça que Dieu les travaille. C'est pas comme ça que Dieu agit avec eux. Et alors? Est-ce que c'est grave? Non. Pourquoi? Parce que ta vie ne doit pas être basée sur des rêves. Ta vie doit être basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas grave. Parce que ta vie doit être basée sur la parole de Dieu. Et ta vie doit être basée sur le témoignage intérieur, sur ce que l'Esprit de Dieu va te dire. Parce que Romains 8, le verset 16, la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Autrement dit, ça ne dit rien si tu n'as pas de rêve. La parole de Dieu dit bien dans Ecclésiaste 5, le verset 6, la Bible dit qu'il y a vanité dans la multitude de rêves. Quand c'est trop courant, il faut commencer à se poser la question, est-ce que tous viennent de Dieu? Quand c'est trop courant, quand il y en a trop, il faut commencer à se poser la question, est-ce que tous viennent de Dieu? Quand je vous parle de mes rêves, c'est pas comme si tous les jours j'ai des rêves de Dieu. Pas du tout. Il y a des moments où c'est silence radio. Plus rien. Je dis Seigneur, tu étais dans la nuit là? Plus rien. Silence. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur veut quand même réserver à occasion spéciale des révélations spéciales. À occasion spéciale des révélations spéciales et dans des conditions spéciales afin que tu puisses recevoir réellement de nouvelles instructions de la part de Dieu. Bien-aimés, considérez tout ce que je viens de vous dire. Parce que votre sommeil est très important pour la poursuite de vos journées. Oui ou non Faites bien vous-même la remarque. Quand vous dormez mal, vous agissez mal. Quand vous dormez mal, vous êtes agacé. Quand vous dormez mal, ne viens pas me causer. Quand vous dormez mal, vous êtes un peu bizarre. Oui ou non Quand on dort mal, nous sommes bizarres. Et il est temps de dire Oui, le Seigneur veut que je puisse avoir une nuit douce et paisible et recevoir, s'il lui le veut, des visions qui viennent de lui. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Faites attention. Lorsque vous n'avez pas de rêve, de chercher absolument des rêves de Dieu, arrêtez ça tout de suite. Parce que parfois, Lorsque vous cherchez absolument des rêves de Dieu, vous pouvez attirer sur vous une condamnation pour votre vie. Lorsque vous cherchez absolument une vision, un rêve de Dieu, vous pouvez amener dans vos vies, appeler dans vos vies, une vision condamnatrice pour vos vies. N'est-il pas vrai que c'est ce qui est arrivé à Saül? Absolument, Saül cherche à connaître la vision de Dieu. Absolument. La Bible nous dit dans un Samuel 28, je vais vous donner cela pour compléter. Vous savez, Église, il y a des personnes, pardonnez-moi l'expression, mais qui sont excitées à avoir des prophéties de Dieu. Oh, je suis prophète. Dieu me parle. Je suis prophète. Ouais, 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 ouais. Ils sont excités d'avoir des prophéties de Dieu. Alors que si nous avons une vie conforme à la parole de Dieu, gloire à Dieu, nous ne sommes pas tous prophètes, oui ou non Nous ne sommes pas tous appelés sur une onction prophétique. Nous allons recevoir tous des révélations de Dieu à des moments donnés, oui. Nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu, oui. Mais nous n'avons pas tous l'onction prophétique, à proprement parler, selon les ministères. Amen. Alors voici ce que la Bible dit en Samuel 28, le verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par les rimes, ni par l'urime, pardon, ni par les prophètes. Il avait rien. Il a consulté l'Éternel. Il n'avait pas de songes, il n'avait pas de visions, il n'y avait pas de prophètes, il n'y avait pas d'urime, il n'y avait, avait rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait La Bible nous dit que Saül est allé chercher une voyante. Et vous savez ce qui s'est passé La parole de Dieu nous dit que lorsque Samuel est venu, Samuel a condamné Saül et lui a dit, maintenant tu vas mourir. Oui ou non Vision condamnatrice pour sa vie. Alors qu'il n'avait rien à chercher Oui ou non Avait-il besoin de chercher Mais encore une fois, il a désobéi à Dieu. Et parfois, nous, à force de chercher des visions, des songes, des rêves, absolument. Nous entrons nous-mêmes dans des condamnations de nos vies, alors que nous devrions seulement faire confiance à quelque chose, à la parole de Dieu. Qui je le dis doit être notre boussole. Qui je le dis doit être notre lampe. Qui je le dis doit être notre guide. Qui je le dis doit être notre arme puissante. Car la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4, le verset 4, L'homme ne vivra pas que de pain et d'eau, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Parole dans ce verset est Réma. Toute révélation qui vient de la bouche de l'Éternel. Et la Bible nous dit encore, dans le Proverbe 3, le verset 21. La Bible dit, mon fils, si tu gardes les instructions de Dieu et si tu ne les éloignes pas de tes yeux, si tu le gardes profondément, si tu gardes la sagesse, si tu gardes la réflexion, le verset 24 nous dit quelque chose ensuite. La Bible dit, si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Autrement dit, notre vie doit être basée sur les révélations de la parole de Dieu, plus que sur des songes. Voilà pourquoi mon message s'intitulait Le songe, oui, mais jusqu'à quelle mesure On ne doit pas être des toxicomanes du songe. Il y a parfois des... Psychomane du songe. Un songe à rêve, un songe à rêve, un songe à rêve. Arrête cela tout de suite. La parole de Dieu est ton guide. Amen. Soyons des personnes dépendantes de la parole de Dieu. Non pas des rêves, non pas des songes. Parce que le Seigneur donne à qui il veut, ce qu'il veut. Et aujourd'hui, tu vas être délivré de tes mauvais rêves, tu vas être délivré des rêves qui viennent de tes préoccupations, si tu mets en pratique ce que je viens de te donner aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu coule sur vos vies et que vos nuits soient... Paisible et légère.